Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, de la polymère. Je sais que certains d'entre vous attendent toujours ces vidéos polymères avec impatience, donc je vais essayer, je dis bien essayer, de vous faire une vidéo polymère par semaine. Il se trouve que la dernière, c'était un dimanche, donc celle-là va passer un dimanche également et je vais essayer. Donc je me répète, hein, de vous sortir une vidéo polymère chaque dimanche. Voilà, tout simplement. Si à un moment donné je n'y arrive pas, parce que malheureusement des fois le temps qui m'est imparti en polymère est trop court pour une vidéo, et bien à ce moment-là je la mettrai un petit peu plus tard. Mais je vais vraiment essayer de vous faire plaisir en vous donnant ce rendez-vous. Alors aujourd'hui je suis partie sur la création non pas de bijoux, mais d'une plaque de porte. Pour une personne, donc avec son prénom et puis une petite décoration. Je suis partie sur un effet bois et donc j'ai choisi. Alors j'avais vraiment envie de. Parce que maintenant, les mousses que je vous ai présentées la dernière fois, vous les connaissez, vous savez que je les adore. Et donc j'aime vraiment beaucoup leur effet. Donc j'ai choisi de faire un effet bois, mais avec une mousse. Au départ, j'avais pensé à la cuivrée. Et puis j'ai fini par choisir la bleu vieilli, parce que je trouve qu'elle a vraiment une couleur absolument incroyable. Donc voilà, je suis partie sur la bleu vieilli. Je me répète. Vous verrez que ça va donner un résultat vraiment hyper top. Enfin, c'est mon avis, tout du moins. Après, vous me donnerez vos avis. Voilà. Donc là, je suis en train de faire l'effet bois. Je n'ai pas encore découpé ma plaque. Pour l'instant, j'ai fait l'effet. J'ai donc fait comment dirais-je, les lames de bois. Vous le voyez là, hein, malgré les reflets, vous avez vu que la mousse a un effet vraiment extraordinaire. Et je vais la laisser sécher pour travailler autre chose en attendant. Alors j'ai choisi un tampon avec trois têtes de cheval, de chevaux, comme vous voulez. Et donc je l'ai tamponné parce que moi je ne suis pas capable de, comment dire, de créer quelque chose à partir de rien, hein, donc j'ai besoin d'un tampon. Par contre, je viens après un petit peu le travailler. Donc je ne le sculpte pas parce que j'irai pas jusque-là, mais je le travaille un petit peu, j'essaye de faire ressortir des reliefs, enfin voilà, j'essaye de le travailler. Ensuite, je vais l'emporte-piécer. Et puis, je vais même essayer de lui faire un effet un peu, un petit peu avec de la peinture noire. Enfin, vous verrez ça. Je vais vous laisser regarder tout ça. Je vous retrouve à la fin pour le résultat final, bien évidemment. Sachant que j'ai essayé de vieillir après le sol, enfin le sol, la plaque en elle-même qui a cet effet bois, c'est pour ça que je dis le sol, mais c'est pas forcément un sol. J'ai eu peur que le fait de passer une lingette sur ma peinture noire pour faire donc un effet vieilli, j'ai eu peur que ça n'enlève la mousse, mais comme je l'avais laissé sécher un certain temps et que bien sûr je n'ai pas appuyé fortement avec ma lingette, et bien l'effet était vraiment sympa aussi. Donc vous verrez ça au fil de la vidéo. Je vous laisse tout regarder. La vidéo doit durer, je sais plus, c'est entre 12 et 15 minutes maximum. Donc voilà, c'est très raisonnable pour une vidéo polymère. J'ai bien sûr tout accéléré parce que je ne peux malheureusement pas faire des vidéos qui durent 2 heures. Hein. Cette création m'a pris. M'a pris environ 4 heures au final, voilà, je pense, hein, je veux pas dire de bêtises. Pas tout à fait, parce que bon, j'ai discuté un peu avec les copines en même temps, etc. Mais enfin voilà, je suis restée 4 heures dans mon atelier et j'ai sorti cette création. Voilà, je vous laisse donc regarder, je vous retrouve à la fin.
Voilà, donc j'ai fait la semelle que je vous ai épargnée. Et voici la plaque finale. Alors vous voyez que je lui ai fait 4 trous pour les vis parce qu'il ne faut pas oublier ce détail. Je vous montre d'un peu plus près. On voit bien quand même que ce sont des chevaux. Au niveau du prénom, j'ai donc passé de la mousse bleu aquamarine, je crois. Derrière, j'ai même poussé le bouchon jusqu'à texturer. Alors, ça n'a pas bien texturé partout, mais franchement, ce n'est pas grave. D'abord, parce que ça se met sur une porte, donc ça ne se verra pas. Et en plus, parce que ça donne un style. Voilà. Donc, voici ma plaque terminée avec l'effet bois qui est vraiment juste sublime. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à demain pour de nouvelles créations.